ce petit troupeau derrière Ouvre avait aussi été infecté. 17 millions de volailles ont été abattues, la plupart par prévention. Les flammes avaient probablement été contaminées par des oies et des canards en migration. Le virus se transmet par le contact avec les plumes, les sécrétions et les excréments. Pour minimiser les risques, le règlement de Vancouver limite à 4 le nombre de poules perdues. Et ce n'est pas tout. On exige que les enclos soient couverts pour prévenir la transmission de virus entre les oiseaux sauvages et les poules. Aussi, les poules doivent être gardées dans les enclos en tout temps. Les éleveurs n'aiment pas cette restriction et ils sont nombreux à ne pas s'y conformer. Ils préfèrent laisser les poules en liberté dans la cour, les plus surveillants. C'est bon pour les enfants, ils peuvent être couverts. Je pense que c'est bon pour les poules d'avoir un peu plus de la liberté. À l'échelle de l'île, on croit que les éleveurs laissent leurs poules en liberté parce qu'ils ne connaissent pas le règlement. Pourtant, la municipalité a pris des mesures pour les informer. Les éleveurs doivent se procurer un permis. C'est gratuit, ça se fait en ligne, et dans le processus d'enregistrement, ils doivent confirmer qu'ils ont bien vu les règlements. Oui. L'enregistrement, c'est important afin qu'on sache où se trouvent les poules. Comme ça, s'il y a une éclosion de poules aviaires, on peut trouver les éleveurs et les informer. Deuxièmement, c'est un bon moyen pour nous d'apprendre aux gens comment être des poules. Le problème, c'est que les éleveurs ne prennent pas la peine d'obtenir un permis. Laura fait figure d'exception. Elle est une des 20 personnes qui se sont enregistrées.